smoldering with thy meager flame. Cower in fear of the night. The hands of the fell omen shall brook thee no quarter. Bien le bonjour les Inxios, et nous sommes... Je ne sais pas où. Je cherchais le nom du lieu si tu veux. Je te connais pas. Je viens de buter Margit le déchu. Ça m'a demandé pas mal d'essais. Pff, en tout et pour tout, je dirais pas loin d'une quarantaine, je pense. Vraiment, si je prends depuis le début, ouais. Pas loin d'une quarantaine d'essais. Un boss qui est vraiment pas évident d'ailleurs. C'est le premier boss majeur du jeu, hein, clairement. C'est le premier pic de difficulté que tu peux rencontrer. C'est le bouclier qui a fait toute la différence, le bouclier en cuivre que j'avais trouvé. Qui fait toute la différence parce que du coup je prenais beaucoup moins les dégâts qu'avec le pavois qui ne paraît pas 100% des coups. Le combat je l'ai plutôt bien maîtrisé dans le premier round, en fait dans la première partie si tu veux, mais vous avez remarqué que sur la fin je me suis déconcentré, j'ai pris beaucoup de coups, je suis passé à quelques millimètres de la mort. Là j'en ai le cœur qui bat encore à tout rompre, hein, putain. C'est toujours l'effet que ça te fait après un boss difficile sur Dark Souls, t'as le cœur qui bat la chamade, quoi. Et là, je suis encore dans cette phase, hein. Vraiment, faut que je m'en remette un petit peu, faut que je redescende un peu. Ouf, parce que j'ai vraiment... Faut savoir que tous les essais que j'avais fait avant, la quarantaine d'essais que j'ai fait avant la victoire, je n'étais pas parvenu à faire descendre de plus de la moitié de la barre de vie du boss, en fait. Le maximum, c'était 50% de dégâts que j'avais fait. Et là, quand j'ai vu que je lui faisais quoi, 70, 75, 80% de dégâts, je me dis, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi, là. Parce que si je meurs là, je vais me déconcentrer et je reviendrai que dans plusieurs jours sur le jeu. Et puis, il me faudra encore que je me réhabitue au boss et tout. Donc, c'est maintenant qu'il faut que je le bute et c'est fait. Waouh. Dur. Pas évident, ce boss. Mais tant mieux, c'est ce qu'on aime. Du coup, je vais pouvoir profiter... pour augmenter un peu ma force. Bah écoutez, je suis bien content en tout cas. On va pouvoir découvrir le reste du jeu en votre compagnie et c'est magnifique ce château là, voile orage, très beau. Très beau malgré toujours ces drops de FPS et cette non-fluidité dans l'ensemble. Dommage, vraiment dommage. C'est un crève-cœur ce jeu parce que j'aurais tellement aimé m'amuser à fond les ballons avec un... Putain, il met deux feux l'un à côté de l'autre, ça n'a aucun sens. Ah, plusieurs passages dérobés. J'aurais tellement aimé pouvoir le savourer à fond. Alors, est-ce que du coup... Ouais, ça me les active sur la map quand même. Il n'y a pas besoin de se reposer pour les activer sur la map, c'est bon à savoir. C'est toi qui parles ? Against taking it tightly guarded. Oh, try the guards, though. You'll breach the castle undetected. Yeah, you're just the guy. Ça pue le piège. Ça sent le piège. Et toi, c'est tout ce que tu me dis en fait? Tu me proposes rien à vendre ou... La façon dont il me le dit, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais je remarque qu'on peut également aller en bas. Après, en bas, j'ai pas... Ah si, il y a un truc à récupérer. Bah attendez, je vais le faire, ça sera fait. Oh, c'est juste une merde de plante. C'est sérieux. Après, il n'y a rien. Bon, bah on remonte. Ah, bah si, regardez, j'ai bien fait de venir parce qu'en réalité, il y a un truc ici. Est-ce que le cheval il passe? Le cheval il passe pas. Alors, du coup, il faut venir de l'autre côté. Il faut arriver par l'autre côté. Quoi, je suis Keblo en fait? Ah non, regardez. Ok, donc là, ça va me permettre de remonter. Et là, je suis Keblo en fait. Ah, bah non, c'est bon, je peux passer par là. Et là, on a vu sur le monde. Je comprends pourquoi ils ont mis cet effet de vent
parce que tu vois que les textures sont pas chargées, tu vois qu'ils étaient pas en mesure d'afficher correctement leur map, quoi. Donc voilà pourquoi il y a cet effet de vent qui camoufle tout quand tu es en altitude, afin que tu puisses pas voir les dégâts. Les textures dégueulasses pas chargées, regardez le tas de pixels que représente cette flotte là, voilà, là ça laisse à désirer. Hein. Ça laisse clairement à désirer. Putain, la caméra elle a changé au moment où j'ai sauté, parce qu'en fait je voulais arriver là et sauter là, à gauche, mais la caméra elle a changé brusquement au moment où je suis arrivé. Le remède des doigts crochus. Là on peut arriver par là. En fait je serais pas tombé bien bas. Et là ça va me permettre de récupérer. Voilà. C'est ça que j'aime bien dans les Dark Souls, c'est tous ces petits chemins qui se rejoignent et tout. Là. Graisse incendiaire, très très bien. Là, du coup on remonte. Maintenant qu'on a étudié les environs. Une espèce de filtre vert, là on le voit bien. Pareil, ça c'est un truc, je suis pas spécialement fan de l'idée, quoi. De toute façon, je peux pas y aller là. C'est vite vu, hein. Je suis obligé de faire le tour de toute manière. J'espère juste qu'ils ont pas rajouté de la plateforme, parce qu'il n'y a pas de plateforme dans les Dark Souls, à proprement parler. Le fait de sauter d'obstacle en obstacle, ça n'existe pas. J'espère qu'ils n'ont pas rajouté ça, parce que vu qu'ils ont ajouté la mécanique du saut, ils y ont peut-être pensé, ça m'emmerderait au plus haut point. J'aurais peut-être dû rester là-haut, je suis con. Quoique non. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, il est pas... Il est plus impressionnant que dangereux. Plein de passages dérobés, hein, vous voyez. C'est la folie. Faut bien tout fouiller. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ah, là-bas, il y a un truc. Et KO. Oh la salope! Attaque par surprise. Je vais crever. Putain la salope. Mais putain mais... Casse-toi! Saloperie. Mais. Plume de faucon des tempêtes. Ouh, ça me rappelle un truc ça, le faucon des tempêtes. Ça me rappelle... Le roi sans nom. Un des boss les plus difficiles de la saga. D'aucuns diront que c'est le plus difficile, mais je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le plus difficile, c'est... La demoiselle, comment elle s'appelle. Bah, ça putain d'église. En trois phases. Truc de ouf, ce boss. On a déjà un boss en trois phases, à quel moment. Alors eux, en fait, quand ils sont à deux ou trois, ça devient l'enfer. Du coup, j'y suis allé en bas, là. Ouais, j'y suis allé. Chaque fois, je fais la connerie. Je voudrais rester là pour voir ce qu'il y a au-dessus. Regardez, il y a une porte, là. Ah non, pas du tout. Ouais, en fait, il n'y a rien de space, ici. Après, s'il y a peut-être moyen, quand même. Si la caméra fait pas de la merde, là, comme elle vient de le faire, putain. Pierre de forge. Putain, j'ai bien fait. De m'entêter à explorer cette histoire. Pas le cheval, non. J'aurais voulu aller en face, mais pour ça, je sais pas par où passer. Ah, il y a un feu ici, je vais l'activer, comme ça, si je me fais troller par les aigles, je serais pas bien loin. Parce que clairement, ils vont me troller tout de même.
Du coup, j'ai acheté ma lanterne. Alors, elle est sympa parce que là, elle s'équipe comme ça, comme si tu utilisais une fiole de soin. Puis après, tu peux remettre tes fioles de soin et puis tu te balades comme ça. Très pratique. Oui, c'est ça qu'il m'aurait fallu dans le tombeau des géants à l'époque. Tombeau des géants, j'en avais chié parce qu'il n'y avait pas ce genre de feature. En tout cas, dans la version Dark Souls 1.0, c'était la merde. T'avais une lanterne crâne là, mais c'était la misère à équiper et tout. Voilà. Quand t'arrives à le toucher une fois, cette saloperie, il reste seul donc du coup. Regardez, il y en a un là. Par contre, si je tombe. Ah, le Patrick! Pas mort? Putain, il est pas mort avec une attaque sautée à deux mains. J'ai plus de stam, je vais mourir. Oh, cette chance. Attention, il en reste un. J'ai plus de stam. Saloperie. Allez, crève-toi. Oh putain, c'est un calvaire ces bestioles. Quand ils sont tout seuls, c'est de la merde, mais là, deux ou trois. T'es vite submergé, quoi. Faut pas qu'il me voie, parce que sinon il va appeler ses copains. Tu penses, il va me voir, ce bâtard. Oh, il y a le deuxième qui arrive, putain. Attends. Ah, putain, j'irais bien choper l'item en vrai. Au moins, je vais essayer de choper au moins l'item, tu sais, comme ça, j'aurais pas à revenir là. Ouais, c'est bon, j'ai eu. Oh putain, c'est la panique, les caméras qui s'en mêlent. Ouais, non, mais là, ils sont trois, là, je vais crever. Oh, j'ai essayé un truc, j'ai essayé de faire un barrage. Non, mais là, à trois, j'y vais pas y arriver. Ouais. Parce qu'en fait, ils arrivent à passer outre la parade, ces bâtards. Ils sont relous ces mobs, je te jure, ils sont relous. Tiens, ta gueule, sale merde. Bon. Saloperie, putain. Là, c'est le feu que je viens d'allumer, ça. Ah, c'est vers là-bas qu'il faut aller, alors. Ah, c'est cela même. Du coup, je m'en fous, j'ai récupéré l'item que gardaient les oiseaux. Par contre, c'est mes âmes que j'aimerais bien choper. Est-ce que je tenterai pas quand même un coup Je tenterai pas d'aller les récupérer quand même. En rapidos, ni vu ni connu. Et après, j'essaie de me faire mourir au feu s'il faut se faire mourir. Mais au moins que je récupère ces âmes, quoi. Je les laisse pas à la portée de ces saloperies, là. Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre à récupérer là dans la zone. Il n'y a pas un item au bord d'une falaise, un truc. J'ai pas l'impression. Bon, bah voilà, on va faire comme ça, puis c'est tout. Hein. Non, parce que lui, il me met en PLS. Quand ils sont deux ou trois, là, c'est mort, quoi. Ok, de cuir. Il y a du monde. Ah là, ce qui serait bien que j'équipe, c'est la hallebarde. Dans ce genre de situation. Je savais qu'il y avait un truc. C'est qui me tire dessus? Ok, c'est en face. Ok, non mais je regarde, comme ça je vais me venger après. Là on arrive dans quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, là c'est très Dark Souls, le coup du château, comme ça, avec plein de chemins tortueux qui se rejoignent. Ça j'aime. C'est quand même plus sympa d'évoluer là-dedans, même si ça continue de laguer quand même.
Oh putain, attendez, parce que lui il a pas l'air de rigoler. Si, on peut le stun, c'est bon. Et ça, c'est le genre de mob qui ne se stun pas, mais si. Plume de faucon des tempêtes. Griff. Wouah, Freddy Krueger. Voilà, il y a des morts ici. C'est pour ça. Merci d'être mort. Ça a permis de me... Attention, parce qu'à mon avis, il y a deux trucs explosifs, non? Bac de lancer. Qui est le salopard qui me spamme là? Ok. You are dead, motherfucker. Flèche de Trina avec un FDP qui est juste en bas là. C'est toi qui me spammais tout à l'heure, tête de mort? Je crois bien que c'est lui. Ouh non, il y a encore du monde. Zéro risque. Ah, c'est lui qui me spammait. C'est cette espèce de salopard qui me spammait. Il y en a encore un, regardez, il est juste là. J'aime pas me battre ici, putain. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah ah, l'occasion de se la péter, notre nouvel achat. Ah bah y'a rien, comme ça au moins c'est vite vu. Attention, quelque chose. Je vais sûrement m'en prendre une sur la gueule. Et nous revoilà ici. Oh putain! Ah, mais il a la même gueule que celui qui m'a indiqué le passage, tu vois. Comme quoi c'était bien ça ou pas. Rien ici. Ah! Non, j'ai cru. Par contre, en bas, il y a quelque chose. Il y a une. J'entends des bruits de pas. J'ai cru entendre des bruits de pas. Et une porte. C'est Verwios. Très bien. Ah là, c'est très Dark Souls, j'aime beaucoup. Voilà, là, c'est le Dark Souls que j'aime. Se faire enculer, ça. Ici c'est pas verrouillé, par contre ici ça sent la merde, je sais pas pourquoi, les geôles sombres comme ça c'est pas bon, mais c'est la seule route, allons-y donc. Schwing. J'ai bien fait d'acheter cette petite lampe, je suis assez content de mon investissement. Un boss. Il se passe... Un boss? Non. Oh, il m'a l'air d'être craqué. Non. Oh, ça se fait. Oula, 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 à chaque fois que je dis ça, je me prends un coup de merde. Allez. Ok, ok. Calme-toi, calme-toi, Jean-Marie. Mais calme-toi. Mais c'est quoi ces attaques là? Mais putain, mais il me laisse pas. Mais c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Allez. 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 Ah.
Piège, pas piège. Ah, c'est tout. Talisman d'épée courbée, ça dit quoi ça? Ah, je peux mettre deux talismans. Ah bah non, je suis nul en contre-attaque. Et bah voilà, c'est cool. Parce que j'imagine qu'à terme, on pourra en mettre 4 comme dans Dark Souls 3. Alors ça, c'est vraiment cool. Bah. Du coup, d'avoir débloqué après avoir buté ce boss un nouvel emplacement de talisman, ça, c'est la bonne surprise. Et du coup, j'ai la clé pour aller dans la petite geôle. Qui se trouvait ici, je crois. Quel abruti! Putain, j'ai bouffé une fiole, quoi. Ah. Allez, un petit feu. Parce que là, si je meurs, je réapparais pas assez loin, quand même. J'ai pas envie de rusher la zone. C'est pour ça qu'un feu, ça me ferait du bien. Bon, moi, j'ai la clé, vous me direz. Oula, des chauves-souris, ici. Mais quelle saloperie. Je suis dégoûté. Putain, je l'ai pas vu venir celui-là. Et du coup, ça a réveillé l'autre au-dessus. Ah, il y en a un qui est mort, je sais pas comment. Putain, j'ai 4000 âmes en plus. Ah, c'est le moment de pas crever, quoi. Et là, les joueurs étaient concentrés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions au sol. Ah si, bah tiens, je dis ça, il y en a une. Le jeu a le don de vouloir me contredire à chaque fois. Mais putain, mais c'est de la merde ce plancher, là. Il est tombé, lui. Attends, parce que lui, il est tombé, je vais me le faire. Nul. Faut que j'équipe ma hallebarde, en vrai, mais j'ai pas de... Le problème, c'est que je peux pas faire les deux, je peux pas équiper les deux. Si je pouvais équiper les deux, je mettrais ma hallebarde, comme ça, tu vois, dans ce genre de situation, hein. Plutôt que de taper l'épée dans le mur à chaque fois. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je fais troll. Alors, du coup... Hop. Et là... Je pourrais pas y aller, de toute manière. Ça doit venir de l'extérieur, je pense. Hop. Très très bien. Il faut que je pense qu'il faut redescendre tout simplement. Ou aller là. J'ai eu peur. Et c'est là-bas que ça se passe. Mais alors là, comment je fais pour y aller? J'ai pas le cheval. Hein. Tu vois, là, c'est la hallebarde qu'il faudrait. Oh là là, le bad trip. Mais putain, mais c'est qui va me tuer? Mais putain, mais... Mais tu as arrêté de me casser les couilles, toi? Ah, j'aurais la hallebarde, ce serait pas... Je serais pas emmerdé comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle fait pas de dégâts. Faudra que je l'améliore, celle-là aussi. Marteau en pierre. Très très bien. Ah, je peux tenter le saut là. Mais oui. Ça me ramène à un endroit que j'ai déjà fait. Éclat de verre. Alors attendez, c'est... Oh putain, il m'a fait peur ce connard. Ah, je comprends pas très bien ce qu'ils attendent de moi. Parce que là-bas, il n'y a rien.
Peut-être qu'il faut que... Je sais pas, je vois pas ce qu'ils attendent de moi en fait là. Un petit feu par contre, moi c'est ça que j'attendais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. J'arrêterai au prochain feu d'ailleurs. Alors. Par là. Et après quoi? Je ne sais pas du tout. Ah si, regarde, il faut que je saute sur la poutre. Non, t'es sérieux? Il faut que je saute sur la poutre. Et qu'avec cette poutre, j'avance jusque dans le trou qui est là, je pense. Alors, ça va être injouable. Je vais pas y arriver. Et là, elle a pas sauté, elle a pas sauté, elle a pas sauté. Oh non, mais ça me saoulait en vrai. Essayez roulade. En bas, j'y suis déjà allé. Bah oui, j'en suis déjà allé ici. Ah, c'est déjà arrivé en fait. Merde, alors c'est quoi l'idée là? Ah, je suis paumé dans le château. Des fois, t'as des feux tous les 10 mètres. Non, mais. C'est en train de me péter les couilles en vrai. Autant des fois t'as des faits tous les 10 mètres, autant des fois... Ah j'y suis. Là t'imagines, il y aurait un fils de pute qui m'aurait fait tomber, là j'aurais tellement ragé. Ça m'a tellement pas l'air d'être ça les gars. Mais je suis Keblo, en plus il y a une échelle là pour aller là quoi. Mais ouais, non mais... J'ai retrouvé, bah en fait quand on monte l'échelle, moi j'allais tout de suite là-bas, en fait il y a un chemin à gauche tout simplement. Quel abruti je fais moi quand je m'y mets quand même. Bon en fait une fois de plus j'ai cherché la complexité alors qu'il n'y en avait pas. Ça c'est cool. Les pattes de volaille ça permet de monter plus d'XP. Enfin de choper plus d'XP. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déséquiper ça, j'en ai plus besoin. Doucement. J'aimerais bien trouver un feu, donc avant d'explorer comme un couillon et de tomber dans le vide, je vais progresser sur la route principale, entre guillemets. Et non, mais s'il y avait un feu, par contre, c'était petit gars, là. Et autant des fois, t'avais un feu, là, après le boss, t'avais deux feux qui étaient à 5 mètres l'un de l'autre. Et là, elle n'a pas eu depuis une éternité. Ça me pose problème, quoi. En plus, que là, il y a un mob qui a l'air pas content. Je voudrais explorer. Mais tu vois, là, si j'explore le côté, là, ça pue que je vais tomber dans le vide. Il va se passer un truc qui fait que... Ou pas. Ouais, bah, je tente pas le saut. Tout ça pour récupérer des champotes, en plus. Putain, ce château, qui c'est qu'il a construit là, comme ça, ici, là. Oh putain, j'ai le vertige, j'ai le vertige, j'ai le vertige. Attention, changement de caméra hasardeux. Et attention à ce mob, surtout. Qu'est-ce qu'il vaut, ce mob? Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de courir vers un feu? Si le jeu daigne me donner un feu, en réalité, hein.
Parce que là, j'ai envie d'explorer. Ah! Si tu veux, j'ai envie d'explorer, mais j'ai envie surtout de. Voilà! Parce que là, j'aurais respawn super loin, ça m'aurait fait péter un boulon, quoi. Ah, j'ai pas assez. Quoique si, j'ai assez en fait. Si je fais ça. Merde, j'aurais dû faire utilisation multiple. Mais non, mais je suis vraiment le rodé. Oh, je me hais. Quelque chose qui demanderait 30 secondes, je mets une demi-heure. Là, je vais pouvoir choper un petit level déjà pour commencer. J'aimerais bien augmenter mon poids de porc pour pouvoir équiper la barre justement. Alors, où est-ce que ça s'augmente? Charge équipée max, ça s'augmente pas avec la vigueur, ça s'augmente pas avec ça, ça s'augmente avec l'endurance. Ok, j'aurais augmenté ça avec la force pour le coup, mais écoutez, on va y aller. De toute manière, l'endurance c'est une des stats que je voulais augmenter quoi qu'il arrive, c'est pas perdu. Là, il y a bien des morts, là. Il y a bien des âmes en peine, ici. Il y a un boss, à mon avis. Non? C'est joli. Ah oui, oui, non, mais là aussi, c'est un Orlando, là. Hein. Il y a un délire. Hein. On sent qu'ils réutilisent quand même pas mal de... des choses faites dans le passé. Ça me rappelle Capcom qui court après son Resident Evil, toujours en 2022, ils sont toujours en train de courir après leur Resident Evil de 98, tu sais. Pour un peu de la peine. Alors qu'ils ont fait Dragon's Dogma, les mecs, et tous les ans, ils nous... En fait, c'est ça qui m'énerve avec Capcom, c'est qu'ils sont que avec leur putain de Resident Evil, là. Et moi, je réclame un Dragon's Dogma 2. Mais je ne t'ai jamais entendu. Mais t'es craqué, fils de pute. J'ai bien fait de pas t'affronter tout à l'heure. Putain, le mec. J'ai bien fait de pas l'affronter tout à l'heure. Franchement, j'aurais pété un boulon, quoi. Toi, fils de pute. Toi, je vais me mettre la race. Mais putain, mais va-t'en. Quand je te dis de rouler, faut rouler, en fait, hein. Non, va-t'en. Parce que là, quand tu commences à faire ces trucs là de météo mage là, comprenne qui pourra. Est-ce qu'il réapparaît lui? Je pense pas. Albarde de chevalier banni. Qu'est-ce que ça dit ça? Albarde de chevalier banni. Ça m'a l'air d'être une énorme. 125 plus 27. Oh, c'est pas extraordinaire, hein. Regardez la hallebarde 0, elle fait 125 plus 30 et elle fait 125 plus 27. Elle est naze, c'est les mêmes attaques, il n'y a rien d'autre qui change dans les stats, donc c'est de la merde. Voilà, par contre, celle-là elle est craquée. Bon, bref, on s'en fout. C'est quoi l'ascenseur? Oula! Faut aller tout au-dessus pour l'appeler, je pense. Ouais, il est fort ce bâtard, il est fort. Oh, mais attends, il y a mes âmes là. Quand même, on va pas s'asseoir sur 1400 balles. Au prix de l'essence en ce moment.
Je vais continuer à grimper parce que je pense qu'il y a un truc à actionner là-haut. Et un nouveau chevalier, mais c'est de la merde. Voilà. Par contre, il y en a un autre là-bas. Et je crois en avoir vu un. Non, j'ai craqué. Il y en a juste un là-bas. Comment je vais faire pour le rejoindre, lui? Ah, la salope. Il n'y a pas moyen. Faut que je saute, mais c'est beaucoup trop loin. Non, je pourrais pas passer par là. Et là, je pourrais, à mon avis, c'est le même combat ici. Comment je fais pour y aller? Ah, par au-dessus. Ok, j'arrive. Tête de mort. Plein de gens qui meurent ici, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils meurent ici, les gens? Passons par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula! Ah non, j'ai cru que c'était un géant, j'ai peur. En fait, c'est juste un connard qui va appeler tout le people de la Terre. Alors ça, c'est problématique, en vrai. Je comprends pourquoi les gens ils meurent ici, en fait. Bon, on spam, on spam, on s'en va, on est en difficulté, on est en difficulté, on est en difficulté. Il y a encore un fils de pute qui a des pouvoirs magiques devant là. Ils font chier que ça. Et il y en a encore un. Je crois bien. J'entends une arbalète. Ou alors c'est l'autre qui était sur la plateforme. Ouais. C'est cela même. Bon. Là où il n'y a rien. Là non plus. Une rune dorée. Et après, il faut aller par où? Il y avait du monde. Hein. Bah écoutez, c'est pas par là, apparemment. À moins que. Oh! Ouais, il faut que je monte là, là. Oh. Si je perds mes amis ici, j'aurais bien dans le cul. Pierre de forge. Ah, je l'aime beaucoup ce level. Pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai traversé depuis le début. Il y a des rats en bas. Bah ouais, ça c'est un vrai level design, voilà. Là, il y a quelque chose. Là, il y a de la verticalité. On s'amuse. On découvre. Il y a des chemins cachés. C'est sympa. C'est très sympa. Et là, je suis où? Par contre, si je meurs, je pourrais jamais revenir chercher mes âmes. Que je sais pas où c'est. Tellement de trucs à découvrir là, putain. Allez, un petit feu, ça serait cool. Oh non, pas des mecs comme ça, putain. Ah, oh, je les déteste. Allez, quand tu l'as, faut pas lâcher. Ah, quoi que si, parce qu'ils seront pas stun éternellement, lui. Hein.
Ah, nique ta race. T'as de la chance. Tout ce que je peux dire, c'est que t'as de la chance, mon ami. Allez, un petit feu, parce que je dois être assez loin de mon autre feu. Cher exalté. Oula, une grosse bête là-bas. Je la connais pas, donc on vient aller mollo. Un petit feu, ça serait bien. Non? Parce que là, je suis vraiment loin de l'autre feu, du coup, maintenant. Il faudrait que j'arrête l'épisode. Il y a bien du monde ici. Je suis arrivé par là, je suis monté par là, donc c'est par là. Mais il y a du monde. Ça, je ne vous dirai jamais le contraire. Je vais mourir là. Bon, à mon avis, c'est pas ça. Parce que là, il y a 15 000 mecs avec des balistes et tout. C'est pas le boss du début, ça? Aucune idée, mais il est bien trop craqué pour moi. Ouah. Sauve-toi. C'est une idée de merde de l'attaquer ce truc-là. Tant que j'ai pas un feu, dira-t-on. Tant que j'ai pas un feu, c'est une idée de merde de l'attaquer. Regardez comme ça lag là, putain, dans les... C'est horrible. Oh putain, d'accord. Alors attends, dis-moi que du coup je peux activer... Oui, bonheur. Ah là là, je retrouve le level design que j'aime. Je retrouve mes sensations de jeu sur Dark Souls 1. Allez, ciao les amis.